ça va? Ouais, ça va. Pour lundi prochain, je ne pense pas parce que j'ai un entretien, donc il faudra que je prépare à partir d'aujourd'hui, donc j'aurai pas vraiment le temps. Et même pas avant. Ok, ben peut-être pour la prochaine fois, du coup, je pense que ce sera mieux. Ok, bye. Ah oui, monsieur Parker, veuillez vous asseoir. J'informerai le manager que vous êtes là. D'accord, merci. Je suis Peter Parker, j'ai 24 ans. Je suis diplômé donc de l'École centrale de Nantes en génie industriel. Et au niveau des compétences, donc j'ai des compétences de communication, d'autonomie, de prise de décision et aussi de pouvoir s'adapter à un environnement différent donc, dans lequel je pourrais travailler. Au niveau de mon adaptation, c'est relativement facile. Donc, j'ai aussi des compétences scientifiques et technologiques par rapport au stage que j'ai fait auparavant également. Et aussi en termes d'activité extra-curriculaire, donc j'aime bien faire du sport, aussi faire de la musique, donc ça m'aide à me détendre, donc à part que le travail, mais aussi quelque chose à côté pour. Voilà, ça dépend. Quel genre de musique? Donc je fais de la guitare principalement. Et en termes de sport, donc j'ai fait du Krav Maga pendant 8 ans. Voilà. Et que savez-vous de nous, de notre entreprise? Alors je sais que vous êtes devenu une agglomération donc de 3 entreprises et donc vous êtes surtout spécialisé dans le domaine de l'industriel, donc de construction, biochimie,
pétrochimie. Et donc on voit que vous êtes voilà, sur tous les fronts au niveau de plusieurs projets sur lesquels vous travaillez. Et qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi? Donc le fait que donc votre histoire est relativement intéressante parce que vous avez commencé seul en tant qu'une entreprise et donc déjà vous avez fait voilà donc vous avez vous êtes devenu de plus en plus populaire avec les projets sur lesquels vous avez travaillé, puis il y a eu cette agglomération et aussi suite à l'agglomération vous avez travaillé sur plusieurs projets donc au niveau de la construction et au niveau du civil et de l'industriel. Et donc on voit que vous êtes en pleine croissance et pour un ingénieur c'est important donc sur le fait d'avoir de pouvoir développer des types de compétences, des différents types de compétences pour pouvoir donc bien s'adapter dans le domaine du travail. Et donc on voit que vous êtes en pleine croissance et pour un ingénieur c'est important donc sur le fait d'avoir de pouvoir développer des types de compétences, des différents types de compétences pour pouvoir donc bien s'adapter dans le domaine du travail. Ouais, c'est très important. Parlez-nous un peu d'une situation où vous êtes parvenu à mener un projet jusqu'au bout. Alors j'ai fait plusieurs stages auparavant, donc quand même il y a un projet qui était relativement complexe mais que j'ai pu mener à bout. Donc c'était sur la mise en place d'une machine et du coup on devait travailler sur plusieurs types de problèmes. Donc il y avait la conception de solutions le plus souvent pour pouvoir mener le projet à bien. Et aussi, il fallait s'adapter par rapport à la communication. Donc, quelques personnes qui étaient réfractaires au projet, donc il fallait les convaincre. Donc, on voit ici que la communication est relativement importante pour un ingénieur pour pouvoir ramener tout le monde sous son aile au niveau d'un projet pour que ça soit accepté au niveau de l'entreprise. Et il y a aussi des dates butoirs qui étaient complexes à respecter. Donc, il fallait vraiment travailler sous une atmosphère de pression. L'ingénieur doit pouvoir faire en général. Donc voilà, le projet a été amené à bien à la fin. Et qu'aimeriez-vous faire une fois en poste? Alors déjà, j'aimerais être, si c'est possible, donc gérer quelques activités au niveau des projets que je serais amené à travailler, sur lesquels je serais amené à travailler. Et aussi avoir une communication intéressante auprès de plusieurs employés donc, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir gagner un peu plus de compétences et de savoir-faire. Parce qu'un ingénieur va toujours apprendre au niveau du travail. Donc on apprend toujours. Et aussi, j'aimerais bien travailler au niveau de l'international donc, parce que j'ai vu aussi que vous travaillez avec plusieurs entreprises aussi donc à l'international, donc ce serait relativement intéressant d'avoir un contact avec les personnes de l'international pour pouvoir voilà, travailler sur un projet, voir la manière de penser, voilà, de pouvoir s'adapter à différents types de cultures de chaque personne. Et dans 5 ans, vous voyez? Dans 5 ans, je me vois en tant que chef de projet, enfin j'espère, parce qu'avec mes compétences que j'ai déjà acquéries et que je vais sûrement acquérir après, j'aurai la possibilité donc de gérer plusieurs projets, donc pas un seul, mais plusieurs, être polyvalent, voilà, donc être sur tous les fronts et aussi avoir améliorer les contacts internationaux également et locaux aussi, pourquoi pas. On vous souhaite une belle progression dans votre carrière. Merci beaucoup. Une dernière question? Un peu plus personnel. Oui. Donnez-moi une bonne raison pourquoi je dois vous embaucher. Alors, je pense que je suis différent comparé aux autres candidats. C'est le fait que j'ai été sincère et honnête. Donc voilà, au niveau de mes compétences, je vous avoue vraiment, je n'avais pas de compétences au niveau de l'autonomie et de la communication. Donc c'est grâce à mes stages que j'ai pu améliorer donc, ces compétences, comme vous pouvez voir dans le CV. Et maintenant, voilà, je suis prêt vraiment à faire du changement au niveau de l'entreprise. Donc s'il y a un projet sur lequel je vais travailler, ou plusieurs projets même, je suis sûr que je pourrai donc ramener du changement à implémenter donc, mes compétences personnelles par rapport au projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'aurais deux questions. Donc du coup, est-ce que je pourrais durant mon... Si au cas où j'aurai le poste, d'étudier en même temps.
Non. Parce que je pense que c'est relativement intéressant, vu qu'un ingénieur ne doit pas s'arrêter là, même si on a un certain niveau, je souhaite poursuivre une maîtrise donc, dans le domaine de l'électronique donc, pour pouvoir voilà, pour pouvoir avoir une deuxième spécialisation. Donc je vois que ce sera intéressant pour moi parce que j'ai vu dans votre entreprise, vous avez aussi l'interaction entre le domaine de l'électronique et de la mécanique, qui englobe l'industriel en général. Donc voilà. Si vous êtes embauché, on verra. Peut-être bien. D'accord. Et aussi la deuxième question, j'aimerais savoir le salaire qui serait approprié pour ce travail, du coup. Le salaire de base qu'on prévoit, c'est bien 2000, je pense. Ouais, le salaire de base, c'est 2000 euros par mois. D'accord. D'accord. Donc, vous voulez pas. Non, ça va, moi, ça me convient. Bien. Ben, c'est bon pour moi. C'est bon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Donnez vos coordonnées à secrétaire. D'accord. D'accord. Au revoir. Bonne journée.